Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfunk pour un nouvel épisode du Witcher 3. Je suis descendu donc sur la plage, rappelez-vous, on était à l'espèce de grotte des dragons là-haut. Sur la carte, que vous prendriez ce let's play en cours. Voilà, donc on vient des nids de monstres, donc de Wyvern en haut, et puis j'avais décidé de finir par boucler sur cette petite île le point. Intéressant, il y a deux petites plantes sympatoches dans l'eau qui traînent, il y a du loot dans ce tonneau-là et dans ce cadavre, voilà, rien de très intéressant. J'ai commencé vite fait à vouloir aller un petit peu plus loin quand j'ai aperçu une brume. Donc là-bas, on a un brumelin ou genre un brumelin. Au choix. Donc là-bas, c'est là où vivent les dragons, ok. De bonnes brumes de brumelin. S'il y en a qu'un, je suis content. S'il y en a plus, je suis moins content. Il y en a deux. Et ben j'espère vraiment que c'est des brumelins de base. Avec un niveau que je qualifierais d'acceptable. Bon allez, ramenez-vous. Ramenez-vous là. Ah, un bon Quen pour vous taper dans la Quen. Raté. Ah oui, sur level 4, ça va. Ça va. Le mec il est en train de nous saouler avec ses brumelins. Genre qui sont chiants et tout. Ça va. Par contre trésor caché, bon, me dit-on. Métier. Ah d'accord, faut s'enfoncer sur les. Très bien. Alors sauvegarde avant de tomber sur du supplément. On sait jamais. D'ailleurs, tu es quoi toi? Aussi rare. D'accord. Je pense que ces traces de pas c'était pour deviner que la clé était par ici. Très bien. Un fossile rare d'une énorme wyverne ou quelque chose comme ça. Donc une wyvre en France. En français dans le texte. On va remonter les traces de pas. Hein. Des noyeurs. Laurent qui s'est fait buter à la fourche. Quoi? Il est considéré comme ayant été récupéré très bien, vraiment. C'était genre le pauvre coffre tout claqué là. C'est vraiment ce qu'ils sont en train d'essayer de me dire. C'est une blague. C'est une grosse blague. Et le coffre, c'était le vieux truc tout claquos là. C'est forcément une blague. Il y a forcément un meilleur coffre là, sur cette île paumée au milieu de nulle part. Il a pas fait ça. Comme ça, Zinedine, voyons. Il me dit qu'il est plus bas le coffre. Y aurait-il un souterrain? Parce que clairement. Attendez, on a des pas. En fait, on a des pas qui partent dans tous les sens. Suivons ces pas-là. Ça pète bien les yeux, hein. C'est très agréable. Hein. Gros choix. Hein. Ok.
déverrouillée. Pour une essence élémentaire, une peau d'ours. Je crois qu'on s'est fait niquer. Hein. On peut accepter de dire qu'on s'est fait avoir comme des bleus, quoi. Et franchement, tout ça pour ça. Alors d'accord, les brumelins, ils sont level 4. Enfin bon, quand même. Quoi. Vous voyez, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Je trouve ça un petit peu dommage, le choix de... J'ai envie de dire de leveling des personnages dans la région. Parce que... Là, on est entouré de bestioles de niveau 20. Partout et ou à peu près hein, bon genre quoi. Et là le niveau 4 quoi, la grosse blague. Je suis désolé hein, je fais vraiment un tour. J'ai réussi à trouver un coffre de plus. Je pense pas que j'en obtiendrai plus, mais tant de rien à rien. Ouais, non, après c'est les autres traces. Ok, bah écoutez, il y avait que ça quoi. Je t'écoute. Je suis deg ou t'es. Faut se rendre là-bas maintenant. Et alors là, là ça va être la régalade, je pense. Là on va se régaler, hein. Vraiment c'est. Être un grand instant. Alors j'ai pas regardé par là. Petit bord de lac nul. Il y a une brume nulle. Attends, j'ai PV. Y'a rien, y'a que dalle. Putain, je suis tellement triste. Bon, on va arrêter de perdre du temps ici. On admet, y'a rien, y'a dalle que, y'a que dalle. Hop là, quoi, on va passer en Igni. Voilà, une mission. Il y a une boîte en plus, là, je suis dégoûté. Mais bon, c'est vu, c'est fait. On dira tout. Je peux avoir un cheval magique qui se téléporte? Excellent, Ablette. Je t'avais pas vu dans le coin de la roche. C'est bien, Ablette. Je me mets toujours avec une tête moche de je ne sais pas. Ah non, tu fais pas le genre. Hein. Tu fais pas chier, tu passes. Allez, U. Jamais tu vas passer là. Là, tu vas te dire no. Ya. Oh, elle passe. Hein. Elle passe, l'Ablette. Bon, on peut remonter quelque part ou... Ouais, faut qu'on aille jusqu'au bout du sablé, hein, du petit sablé. Oh, des bandidos. Oh là. Ah, le petit déj. Allez. Laissez-le, tu parles bien, toi. J'espère que vous trouvez que j'ai utilisé vraiment beaucoup de finesse contre ces gens. C'était vachement important. Cacher quelque chose les rapaces là. Alors ça par contre ça me désole un peu. Parce que certes ce sont des bandits, mais enfin là quand même. C'est des bandits qui étaient tranquillement en train de pisser au bord d'un fleuve ou profiter de la plage. Ils allaient se faire une bouffe entre potes, j'en sais rien, peu importe. Et on vient les soulever alors qu'ils sont tranquilles, ils sont peinards. Hein. Sorceleur, c'est pas toujours. C'est bien, Ablette. Pas toujours. Ça a l'air comme ça, mais. Un cheval de Skyrim. Ah, ce jeu n'est pas Skyrim. Faux. Belle tentative. Au galop, Ablette. Non, non, mais tranquille. Tranquille. Tranquille, ma grosse, on va faire le tour. Tranquille. Voilà. Village des débilus, ok. Je sais pas si j'avais un truc à venir chercher ici. C'est déjà sauté. Je crois que c'est déjà sauté. Le goût n'a pas l'air très bien cette C'est bien, Ablette.
bien. Moi à la base c'est genre ce débilus là qui m'a donné. Pas si vite, Ablette. M'a donné la Kate. Bonjour. J'ai retrouvé vos amis. Donne le argent. Ouais, je leur ai causé. C'est bien triste pour Tomil. Tenez, c'est pour vous. C'est pas lourd, mais ça vient du cœur. Merci. Au revoir. Je te finis la machette direct. Super, j'ai touché combien? Bon, j'ai touché l'XP, ça c'est acceptable. Touché combien? Très bien, j'ai touché combien? 295 couronnes. Tu vivras, mon ami. Ah oui, c'est ce que j'avais négocié, c'est vrai. Désolé, c'est vrai que j'avais négocié ça. Yes. Je crois qu'on est dans un toit, ma grosse. Ah. Porte intéressant. Je crois que nous sommes dans un bug. Là, ou pas. Je vais descendre. Hein. Voilà. Faites des chevaux. Ah, c'est bon. La téléportation de la blette. Moi, je l'appelle une blette. C'est la blette. C'est pas la blette, c'est la blette. Voilà. Qui est un légume. Voilà. Très probablement que si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo, vous ne savez pas ce que vous faites. Ou alors vous êtes cuisinier. Voilà. Nid de monstre. Ah, quelle puanteur. Et Necker. Hop là. C'est la masse du Necker. Oula, oula, oula. Oula, je me suis fait prendre en train. Ça fait mal. C'est cuit pour toi, bonhomme. Meilleur van. Meilleur van. Content de ma van. Les guerres sortent en surface par ici. Wow, bah ils ressortiront plus grand chose. Hein. Allez hop. On va sauter ça, j'ai vu qu'il y avait un cadavre sur le côté. T'as pas une pièce pour moi, ma grosse? Le mec, il a un coffret, je peux pas récupérer le coffret. Escroquerie. Vas-y, et tu l'escroques. Bon, ma blette. Je les mettais dans une monstre. Ça devrait être pire ici. Vas-y. On va pour le guerrier. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là! Oh, bon, t'es mutagène verdâtre, hein. Besoin de plein. Ah ah! Invulnérable créature! Monte vas-y! Ça c'est fait! Faut que je trouve la recette d'un mutagène. Un mutagène vert là, ça y est. Bon, une caisse bas. Quelque chose à chourer dans la cabane. Ça sent le non négatif, ça. Ah, ça sent le je suis déjà passé par ici. Hein. Ouais, ouais, je suis déjà passé par là. Ouais. Évidemment, quelle question. Ma bête. Ici. Hop. Viens voir mon céleri rave. Il y a ça que nous n'avons pas vu. On pourrait aller
C'est bien une meule que j'ai vue là ici? Est-ce que j'ai vu une meule? Ah non, ok, j'ai rien vu. Allons d'abord à Cutterier. On peut pas se téléporter quand on est à cheval. Plus vite. Juste vérifier. Terrier sans où? Là. C'est quoi ces conneries? Pourquoi il me dit de faire demi-tour? Mais non, non, il était bon. Qu'est-ce qu'il fout? C'est une merde. Tu vas absolument que je fasse demi-tour. Ah oui, mais c'est cramé ici, tout est mort. C'est ça? Est-ce que la sorcière elle a buté tout le monde ici? Ah! Ouais, on part sur des emmerdes. C'est hier d'être, c'est crétin. Allez! Mais oh! Les câbles! C'est très cool. Et on va se mettre à couette. Vas-y, on va te téléporter. Avec une munition, on en parlerait plus quoi. Ouais, bon, ok, ils sont tous fait fumer comme des saumons ici. C'est un peu embêtant. Sauf si je peux loot. Finalement, ça me va aussi. J'aime bien, j'aime assez bien l'idée du loot. De toute façon, c'est parfait. C'était des connards au service d'une sorcière. Ah, par contre. Petite flamme quand même, hein. Un petit peu de convivialité, je vous prie. La convivialité quand même. Puis il reste l'essentiel, les animaux sont toujours là. Je peux dépouiller tout ce que possédait le marchand. Excellent. On pouvait même pas lui prendre. Il n'y avait même pas la possibilité d'interagir avec. Maintenant c'est fait. Entretiens ton arme soldat. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Je suis pas. Je m'oppose pas à cette idée-là. Ah, t'as été pendu tranquillement. Ok. Ok, ok. Je sais pas ce qui t'a pendu, toi, mais bon. Ça c'est quand même les spécialistes des trucs qu'on peut pas atteindre. Ça me fatigue un peu. Saloperie de paysan. En tout cas, vous vous couperez plus rien maintenant que vous vous êtes découpé en deux. Excellent hein. Des blagues de sorceleur hein. Vous pouvez pas trop comprendre. Mort de sorceleur, c'est entendu sur un peu particulier. Je sais pas trop, c'est pas spécial. Donc toi t'es mort, t'es plus très vivant. Vous aviez rien caché sous l'autre derrière votre maison là. Bon. Ok. Bon, le cul du terrier c'est fini, ils sont tous décédés, on a fait toutes les baisonnées. Quelque part on a envie de dire qu'il n'y a plus qu'à se tirer. Bon bah pour mes armes c'est pas ici qu'on va réparer. Recommencer, voilà, c'est sauvegarder. Allez hop, eu le dada eu. Oula, oh, doucement, ma blette. Là, ou pas. Ok.
t'es nul, Ablaine, tu sers à rien. Doucement. Tu sers à rien comme canasson stupide. Et tu sers à rien. Ah, voilà. T'aurais dû réussir ça du premier coup. C'est quoi le pigeon? Ah, ça y est, j'ai peur, je vois des basilisques partout. Vous êtes une weaver, ça. Mince, oui, ça le garde. On sait pas trop, c'est bugué. Dans un rocher. La bestiole. J'essaie de l'aider à se débugger. Hein. Non. Ah si, ça y est. C'est une weaver. C'est quand même le seul avantage d'avoir l'habitude de commencer à prendre l'habitude de taper des bestioles un peu plus solides quoi. C'est qu'à la fin tu tombes sur des niveaux 9, tu les éclates. Même quand t'as plus de coups. Même quand t'es obligé quasiment de te les faire à main nue. C'est encore loin mon histoire là. Ça a l'air. Ah parce que sinon je rappelle la blette. Ah mais il m'amène à la quête principale, Débus. Évidemment il m'amène à la quête principale. Fais un peu. Ok, 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 oh, 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 mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Je veux toujours l'argent. Quand j'ai pas l'argent, c'est bien un problème. Petit point de compétence. On prend, hein. On est pas comme ça. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant dans la région? C'est pas ça que je cherche. Non, c'est pas ça. Consultez votre carte en sautant. La grotte de Fléau des Dragons. Je sais plus ce que c'était, mais ça avait un très gros niveau. Suffisamment pour que je me batte pas contre. Donc à ce moment-là, c'était peut-être niveau 20. Faut voir. Mutagène, s'il te plaît. Faut se faire enlever. Non, j'en ai un là sur moi normalement. Non. Ah non, c'est un de niveau 4. Tension vert supérieur, là, c'est ça. C'est un vert supérieur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sans mutagène vert? C'est incroyable. Hein. Ouais, donc, non, on n'est pas pressé parce qu'il faut effectivement la recette tout de suite. Bon. Là, on va vous faire ouvrir en deux. J'adore ça. Andriag. Et non, mais la caverne du dragon, c'est.
Ramenez-vous les bestioles. Derrière, on s'en fout, c'est mort. Hop là, j'étais pas encore prêt. Ok, c'était pas encore prêt. Allez, reviens D, maintenant que j'ai mon munition. Ah, je l'ai vu, elle est trop petite, ça. Tannée quoi! Solbait! Oui, je me rappelle. Oui, y a un lèche machin dedans là, y a un truc très très chelou. On va se le tenter. Vraiment, on va se le tenter. On va se le tenter une fois, gentiment. Voilà, parce qu'il y a un truc de loup ici. Hein. Je devrais jeter un œil aux alentours. Jeter un œil aux alentours. Allons nous faire goûter. Voilà. Ah, ça repousse, c'est très apprécié. Très appréciable, ça. Formidable. Wow. La convivialité. Merci. Prosper, hein, bonjour. Bon, je vais pas tous non plus aller les chercher parce que sinon c'est chiant. J'en ai bien conscience. Je pense qu'on va repartir sur un Quen. Hein. On rigole avec le Quen, mais enfin ça reste quand même bon ça. Hein, je l'avais pété ce truc. Attendez, si je l'ai pas pété, ça veut dire que. D'ailleurs, pourquoi sur le direct. Il faudra d'abord qu'on ait de l'igni avant. Ok, de l'igni avant, c'est direct de l'autre côté, j'ai pas pris les boîtes. Si, j'avais bien tout pris, ouais. Ah non, mais tout est fait, hein. C'est juste que le jeu s'est dit, non, bon, on va reconstruire le mur. Non mais je pense que la bestiole qui est derrière s'est dit ouais mon mur hein. Parce qu'elle c'est une créature dangereuse mais portugaise en plus. C'est le seul truc qui était pas prêt psychologiquement. Ouais. Ah, il y a le Leichenstein qui est déjà là, voilà. Ça me va si tu meurs dans le gaz. Tu meurs du gaz là, non? Fini de jouer. C'est un spot ce truc, c'est quoi? Ça, il s'empoisonne, c'est formidable. Non mais la blague. Bah voilà. Astuce de sorceleur, laissez le lécher s'empoisonner. Formidable. Elle est formidable celle-là ou pas? Ah, heureusement qu'elle est enregistrée. Bon, on peut l'avoir le lichen là, le lichen là, on sait pas trop ce que c'est là. Je l'ai même pas dans mon bestiaire, c'est ça le délire. Alors que j'ai la sirène, alors j'en ai déjà croisé, la succube aussi, Harpissi, ça j'ai tapé dessus. Ouais, ça c'est de l'Iria, j'ai dû taper dessus. Bon, ça a pas grande importance quoi. J'ai des trucs genre. Short, j'ai jamais croisé. Genre, ah oui, mais ça c'est via des livres que je les ai eus.
Ok. Donc ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un vampire, ce n'est pas un vestige, ce n'est pas un ogroïde. C'est pas un nécrophage nécrosé. Bah c'est évidemment pas un insectoïde. Wyvern royal, qui a quand même une sacrée bonne gueule. Bah, c'est la même famille hein, tout ça quand même. Hein. Les molosses claqués, la gargouille. Ah oui, du coup j'ai aucun élémentaire de terre parce que j'en ai pété aucun. Alors là on est sur les moches. Ok. Je considère que je l'ai jamais tué. Ou alors que si je l'ai tué, j'ai pas eu le temps d'en apprendre assez dessus. En tout cas, il file de la résine. Hein. Un bon gars sûr. Hein. Convivialité, je vous prie. Convivialité, je vous prie. Excellent. Nous apprécions la convivialité. Alors normalement il était censé être derrière ce mur de roche. Moi il m'a agressé tranquillement à travers. Ah ben il y en a un autre. Il y en a un autre. On va partir tout de suite sur un quad parce que le nombre de PV que j'ai. C'est un truc là et qui met... Je le vois même pas, je sais même pas ce que c'est. C'est un spectre de midi. Ah c'est un vampire. C'est une race vampirique ça. Toi, normalement t'as pas de bébé. Et ça par contre du coup c'est dans mon bestiaire. Mais de toute façon je l'avais déjà. Ok. Ok ok. Bon, lui je l'avais déjà. Il y a une excuse. Voudrait-on avoir de la convivialité, je vous prie. Voilà. Arrange-moi ça parce que les gens vont finir par s'apercevoir qu'il est complètement cassé en fait. Lumière. Voilà, c'est quand même bien plus agréable comme ça. Lire ce journal. Le sorceleur George est mort. Voilà, le mec il compte en quintal et tout. Je suis fatiguant. On va allumer toutes les bougies, c'est mon objectif. Convivialité. C'est l'heure de réceptionner. Boum. Ça c'est classe. Balade de loup. Okay. Les ai toutes allumées. Presque toutes. Ah, pas. Merci. Allez, faut vraiment que je change une torche. Je croise un crétin avec une torche. Parce qu'on ne voit qu'au dalle. Et de type qu'au dalle. Je sais pas où je vais là. Par exemple. Bon, je vois à peu près ce que ça donne, hein. C'est des strades. Ok, ça je peux pas visualiser. Hein. Ah ouais, c'est tout même. C'est presque éclairé quoi. Continuons notre progression. Faisons une sauvegarde de notre progression. Sait-on jamais. On a quand même allumé toutes les bougies quoi. C'est quand même pas rien. Une illusion. Voilà.
Ce bœuf doit aller avec une enquête. Je n'ai évidemment pas respecté. Qu'est-ce que je dois lui dire? On sent qu'il n'y a rien en bas. Je suis incapable de faire arnaquer, c'est tout ce que je vais faire. Ah, en tout cas, il y a ma blette de l'autre côté. Sauf que si je retraverse la truc dans l'autre sens. Mais ça, tout ça, on l'a pas vu, ça aussi. C'est fatigant, hein. Je sens que c'est fatigant pour vous aussi. Bon, allez, allons chercher une blette. Je devrais l'avoir là, non? À gauche encore. Ok, on va essayer. Allez, vas-y, roule ma grosse. Vas-y. Y a pas 50 chemins, régale-toi. On roule ma poule, comme il dit à l'autre. On peut même aller au point d'interrogation préalablement. Vu qu'il y aura besoin de faire demi-tour, je pense que c'est bien nécessaire d'aller tout de suite au point d'interrogation. Ralentissons l'allure. Ça, c'est un des fameux sanctuaires moches qu'on m'a demandé de restaurer. Ok, il y a des bestioles partout, il y a un point d'exclamation rouge. Aligne avec les autres Maccabées. Oh, dis-moi avec les autres Maccabées. On va aller niveau 3, eh. Eh, le sang culotte là, je te fais la main, moi, le sang culotte là. Merde. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh, eh, mon armure. Ah non, ça serait pas les. Regarde, hop, le petit zouk est décalé, t'étais pas prêt. Ah. Et cette fois-ci, y'a pas eu de mort. L'état de mon matos, hein. L'état de mon matos, c'est une catastrophe. Ok, bon, il n'y a pas de but particulier. La balle a servi. Ah, non, j'ai dit ça, il faut le cacher derrière le buisson. Non, non, c'était juste le buisson. Bon, j'ai servi de ça. Bon, allons-y, hein. Ok, bah, on va tout prendre. J'ai besoin d'une sauvegarde, quoi. Ouais, je continue à vivre. Mais avant tout, hop, petite méditation. Parce que il pleut, il fait nuit, on voit que dalle, c'est chiant. Et en plus, j'ai pas de point de vie, donc ça tombe à la merveille. Merveilleusement bien, on voit toujours que dalle. Et reviens y voir quelque chose, s'il vous plaît. Merci, excellent. On peut faire semblant d'y voir à peu près quelque chose. Yeah. Du loot. Du loot. Du loot. Du loot. Excellent. Alors, plus loin il y a un truc d'oral. Voilà. Là, il y a un truc ouille. Ah, donc on va voir ce truc où il est. Élémentaire de pierre et je suis fatigué. Je suis très fatigué. Ils sont imbutables en plus, c'est con. Hein. J'ai tout piqué. J'ai tout piqué. J'ai tout piqué.
piquer sur les cols du chat. Niveau combien, mon gros? 27. On va te laisser dans ton level, hein. C'est marrant finalement, parce que j'en aurais jamais tué aucun. Finalement. Il a pas l'air très concassable. Je pense que le truc qui doit te... C'est ça, non? Ouais. Et un petit hard, juste pour voir un peu comment tu vis. C'est un racaillou, ils s'en foutent tout. Hein. C'est un racaillou. Laisse-moi recharger. Ah, tu fais ce genre de truc, toi? Pas très Je ne fais tellement rien. Madame, elle est à 0%, je suis fatigué. Je tenterais bien lire d'elle, mais c'est pour les esprits, quoi. Ça m'étonnerait, t'es pas un esprit, quoi. T'es un gaillou. Je pense que si j'utilise pas une huile pour te tabasser, de toute façon, je suis jamais rien. 27. Et mon arme elle est claquée, je fais des 55 dégâts. Le truc doit avoir au moins 10 000 PV. Je lui fais rien, c'est la honte. Lui il a pitié pour moi. Bon, je laisse un gros. C'est chiant, hein. C'est solide, hein. C'est ce que disait Snake. Allez, à la prochaine, je me tire avant qu'il aime pas ma blague. Pour l'instant, il est en train de réfléchir sur la question. Ça se passe bien. Il tabasse un de nous. Bon. Vous savez quoi? Il ne reste plus qu'à remonter sur ce point d'interrogation. Et ah ouais, il doit rester encore 2-3 petits trucs où vraiment on sera sorti de la zone des marais intégrale. Ouais. Bon, on cherche la blette. Y'a ma blette. Dada. Commandement Didos? Si. Si. Oh, si. Campement de réfugiés qui s'est fait démonter par un ours. Ça, c'est plutôt probable, ça. Ils avaient de la bière. Ouais, ours. Intéressant. Je dirais l'autre, regardons avant de taper sur l'ours. C'est bon, bon. Level. Ah oui, non, mais je me suis balancé un couette. Bon, ta couette! Avec une couette! Aïe. Bon, j'écris, non. Bon, la direction assistée là-dedans, c'est pas ça. Allô. Oh, par contre, il dit qu'est-ce que ça lui fait mal. Il aime pas très très beaucoup ça. Ah non, tu peux enlever tout ça. Oh, j'en ai pris plein la gueule, formidable, je suis endommagé. Excellent. Vicoraco là, ou machin chose là, je sais pas trop quoi. Okay. C'est tout. Et des roses rémières, super. Tirons. Bah voilà. Ah, tu t'es pris pour le roi des animaux, toi. Calme-toi.
Où est-ce qu'on se retrouve la fois prochaine? La fois prochaine, on se retrouve à cette maison. Voilà. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfranc sur Comme d'habitude Picking pour l'épisode 51, je crois, de The Witcher. Je vous dis à la prochaine. Ciao.